Étienne Symphorien Kalala Mbalandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka, Botenabino Banso. Wanzoko Wapenzi, Wanainchi Ote, Nawa Salimi Yanini Ote. Banabetu Basuwe, Moyo Weno, bonsoir. Bampangi ya Mounou ya Luzolo, Bampangi ya Vincent, Mbote na Benou, yon sort. Anna Lengo, Moyanyo, Tché. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, Bandeko Bayimboka. Tokutani lisusu. Lelo toko solola ou bien toko philosophe na basuje mi balé. Na basuje mi balé wana toko pesa moi ba illustration na yango. Voilà, sujet à liboso. L'émancipation du président Félix Tshisekedi contre la résistance des ministres. Et puis le deuxième sujet, la dictature économique de Kabila est là, mais elle est déboulonnable. Et nous allons nous expliquer comment. Voilà, chers compatriotes. Voilà, tout le monde a un sujet à Liboso. Émancipation et la kisi bon comme talikolo ozalaki na se o matilikolo comme mpiasika c'est-à-dire au milongoli na boumbu voilà yangwana ba président étranger n'est président américain président Emmanuel Macron ba le baka na président Félix Tshisekedi il faut vous émanciper de Joseph Kabila tikayé Zalayomoko, voilà, c'est ça que nous constatons en ce moment. Il est en train de monter en flèche. La preuve, son propre directeur de cabinet, son propre directeur de cabinet est arrêté. Il y a déjà beaucoup de ministres et puis il y a d'autres interpellations. Yangwana Tokolaki Sabino, article Moko, il y a Paul Nsapu. Oyoba publia qui est pas Africa Arabia. Denge Yazo Bengango, grand déballage. Donc déballage, Ezalineti, bon, Ezali en emballage, hein? Y a Batouyon Swana. Sikoyo, bako déballé en bakomiko banga. Ils ont peur du grand déballage. C'est pour ça qu'il y a une ministre, comme la ministre de la fonction publique, vous avez vu. On l'a instruit de désobéir au président de la République. Et elle n'est pas la seule à désobéir, hein, chers compatriotes. Nous allons voir dans les médias ce qui est en train d'étayer notre titre. C'est-à-dire, Basango et Bimaki n'a pas journaux au Ezali, qu'on pèse ma kasi, na titre na biso ya, comme Mataya Likolo, il y a président Félix Tshisekedi, toyebi que dictateur wana azali, mais dictateur, dictature naïe, et comme il est une dictature moko économique, mais c'est démantelable. Bon, nous allons développer ça dans l'autre titre. Mais, nous allons lire d'abord une information du vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, Paul Nsapu. Après, vers la fin, nous allons quand même mettre des bonus. Comme par exemple une vieille vidéo de Félix Tshisekedi de l'année 2019, quand il passait à Tiangou, on l'avait ovationné.
On fait sortir ça aujourd'hui comme si c'est ça datait d'aujourd'hui, comme si c'était récent. Mais non, ça c'est de la manipulation. Il y a une date là-dessus, dans la vidéo que je veux vous montrer, il y a une date bien marquée dessus, 2019, le 21 décembre 2019. Voilà. Chers compatriotes, l'émancipation du président Félix Tshisekedi est en route. J'ai dit l'émancipation parce que Joseph Kabila est toujours là à travers le Parlement, le Sénat et les gouverneurs en province. Que les fanatiques ne soient pas lésés, mais c'est la vérité. Et la vérité, il faut la constater. Voilà. L'émancipation en marche. Son pouvoir se fait de plus en plus visible. Par exemple, bah, secrétaire général au ministre Bozom la photo wana. Ministre wana. Comme on a dit, na bosani me, ezali wana toko tangango. Ministre de la fonction publique. Bon, moni bâtiment wana ya fonction publique. Donc, le phare a commis un coup raté. Donc, présidence, à Tien Moussapi, donc, bapé qui s'y est. Mon kolobabengisa qui est la présidence, yewana na premier ministre, à lobby. On m'avait induit en erreur. Bon. Ça veut dire qu'il y a une main noire derrière qui est à l'origine de ça. Hein. Parce qu'on sait que ces secrétaires généraux, ils étaient nommés à l'époque de Joseph Kabila. Mais ils n'avaient pas eu le temps d'en faire l'emplacement, par exemple. Voilà. Yangoana, Tokoki Kolobate, que le président Félix Tshisekedi a la pauvreté, hein? Ça veut dire que il monte en flèche. Quelque part, il a le pouvoir, parce que là, il s'est interposé. Ses secrétaires généraux ne vont pas entrer en fonction. Bon. À présent, nous allons essayer de bouger le curseur pour lire l'information complète. Voilà, on bouge le curseur. Que se passe-t-il à la fonction publique? Après un week-end très agité, marqué notamment par une mise en place des secrétaires généraux, qui a beaucoup fait jaser, notamment par une mise en place des secrétaires généraux, oui, qui a beaucoup fait jaser. La semaine a démarré par cette correspondance de Colonguele et Bérande, directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, signalant à Yolande et Bongo. Voilà, comme on a dit, Yolande et Bongo, ministre de la fonction publique, que son arrêté était entaché d'irrégularités au regard de l'article 19 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, de l'article 4 de l'ordonnance 82-029 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État et de la décision toujours en vigueur du 25 janvier 2019, c'est récent, hein, du 25 janvier 2019, interdisant tout mouvement du personnel de l'administration publique. Malgré décision Wana, donc a défié présidence de la République à placer Batonaye. C'est pas sérieux, hein? Tollé général alors. La lettre du directeur adjoint du cabinet du chef de l'État soulève un tollé dans le microcosme. Alors, stupeur, en parlant d'imposture au plus haut sommet de l'État,
les proches de Yolande ne visent plus le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État. Bomoni, le message est clair et même sans ambiguïté. Il vise, comme c'est devenu coutume depuis quelque temps, le haut sommet, comme dirait Ya André Kimbuta Yango, à l'époque où il trônait à l'hôtel de ville de Kinshasa. On apprendra dans la soirée de lundi que la ministre se serait confiée à sa famille politique et que c'est là que la résistance lui aurait été conseillée comme moyen de défense. Donc Kabila, Mutoye Bisi, Nabatunaye, qui résistait. À partir de là, on connaît la suite. Des notifications adressées aux nominés dans la matinée et le mardi, comme pour confirmer le pied de nez adressé au haut sommet. Balobina, président de la République, Azali imposture. A-t-elle considéré cette lettre comme un affront personnel au point d'ouvrir des hostilités qu'elle savait perdues d'avance? Qu'a-t-elle finalement gagné, puisqu'en définitive, elle a annulé ses notifications? Quand on fait la politique, il faut aussi savoir mettre ses égos de côté. On apprend à tous les âges. LP. LP, ça veut dire le phare. Voilà. Voilà. Président de la République, Ayebisaki, président et premier ministre, a freiné Dosewana. Donc, Yangwana Bomoni, c'est un échec. Échec à Kabila, na Batunaye. Voilà, mes chers compatriotes. Quand on fait la politique, il faut aussi savoir mettre ses égos de côté. Ses égos de côté, bah égoïsme là yo. Tiens, yango na lo pembeni omoni. Ndeko ebongo, ministre de la fonction publique. Échec total. Voilà, on remet le titre et la photo de l'immeuble de la fonction publique. Secrétaire général, un coup raté. Publié par Le Phare, 28 avril 2020. Voilà. Oyo et Bengami, émancipation du président de la République. C'est l'alternance. C'est lui que nous voulons. C'est lui que nous voulons. Il n'y a pas quelqu'un d'autre et Kabila ne reviendra jamais, jamais, malgré tous ses coups bas contre lui pour l'empêcher d'évoluer. Presse Mosusu Ototangaki na Africa Rabia, il y a Christophe Rigaud. On voit bien là-bas que Paul Nsapou s'exprime, il démontre comment le président Félix Tshisekedi a combattu pendant un an ce régime de la Kabylie et comment il est devenu puissant. Oui, puissant, entre parenthèses, parce qu'il continue à être combattu, mais à la fin, ce sera la victoire. De toutes les façons, il dit qu'il est dans le bon. Alors, nous allons lire ça ensemble. Et vous allez comprendre pourquoi il dit difficilement. Ben, c'est parce que il exerce encore une dictature économique qui sera déboulonnée, démantelée au fur et à mesure. Parce que ce n'est pas facile. C'est trop, trop, trop de dossiers. Voilà, chers compatriotes, dans le cadre de notre article « L'émancipation du président Félix Tshisekedi contre la résistance des ministres kabylistes ». Voilà, nous avons ici un article de Africa Rabia
qui met en exergue Paul Nsapu, vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, donc qui affirme que Félix Tshisekedi est sur la bonne voie, mais que le combat sera difficile. Oui, il sera difficile, mais pas invincible. Donc, nous allons lire cet article. Donc, pour lui, comme vous voyez là, tout le monde a peur du grand déballage. Donc, Ezali Komataya président, hein? Komataya président, Félix Tshisekedi, émancipation pour Ami Longolama, Joseph Kabila. Sikoyo Ezali Bitumba contre ba ministre ya Kabila. Donc, Totanganan, quand même, mais la machine judiciaire est en marche. Corruption en RDC, tout le monde a peur du grand déballage. Alors que le directeur de cabinet de la présidence, Vital Kamerhe, est en prison, soupçonné de détournement, Félix Tshisekedi a promis de s'attaquer à la corruption. Un bon signal pour Paul Nsapu, vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, qui affirme que Félix Tshisekedi est sur la bonne voie, mais que le combat sera difficile. Il est là, pour ceux qui ne le connaissent pas, Paul Nsapu. Et wana pour la bateau ébiété. Zali Articlia, Africa Arabia, journal où il y a ceux qui, Stéphane Rigaud, hein? Oui. Où ils allaient consacrer la République démocratique du Congo d'Afrique centrale. Voilà. Alors, mituna ils allaient ébélé, mais to koponamwa mituna mouké. Afrique, Arabia, Tunisie. Le président Félix Tshisekedi a fait de la lutte anticorruption sa première priorité. La corruption est vraiment un fléau en République démocratique du Congo, RDC. Paul Nsapu répond, oui, le niveau de corruption de la classe dirigeante en RDC avait atteint un tel niveau qu'il fallait briser cette véritable descente aux enfers. Ces antivaleurs ont détruit le pays et réduit la vie des Congolais à une extrême pauvreté. On découvre que la corruption et les détournements d'argent public étaient à la base du fonctionnement de l'État sous Joseph Kabila. Et même depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, on découvre qu'il y a aussi eu des malversations. C'est donc un mal qui est profondément ancré au Congo et qu'il faut maintenant combattre. La corruption doit être érigée en crime économique et crime contre l'humanité. Si le président Tshisekedi ose combattre cette corruption, nous serons là pour le soutenir. Afrique Arabia. L'arrestation de Vital Kamerhe, directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, dans le cadre du financement des travaux du programme des 100 jours. Est-ce que ça va dans le bon sens? Paul Nsapu, oui, hein, c'est un bon signal. Nous ne pouvons qu'appuyer la justice congolaise. Voilà. Et plus loin, l'Afrique arabia, la politique est devenue un business comme les autres en RDC. Paul Nsapu répond. On devient riche lorsqu'on fait de la politique au Congo. La dictature et les dictateurs ont renforcé ces réseaux de corruption. À cause de ces crimes économiques, les populations ne peuvent pas se nourrir, se soigner convenablement et envoyer les enfants à l'école. C'est un crime. Voilà. Afrique Arabia, Félix Tshisekedi a-t-il les épaules assez solides pour mener à bien cette lutte anticorruption? Paul Nsapu répond. Ce n'est évidemment pas facile. Dans son propre entourage, certaines personnes n'ont peut-être pas compris l'importance de mener cette lutte contre la corruption et ont agi comme du temps de Joseph Kabila. Ce sera difficile. Le président Tshisekedi va subir toutes sortes de pressions de ses réseaux de corruption pour étouffer les affaires. On présentait Félix Tshisekedi comme un président sans pouvoir,
prisonnier de Joseph Kabila. Il faut se rappeler que Félix Tshisekedi est arrivé dans le fauteuil présidentiel sans réseau, sans la police, sans la justice, sans l'armée et sans moyens financiers. Mais Félix Tshisekedi a pris le temps. Il a beaucoup voyagé pour s'imposer à l'extérieur et convaincre de sa volonté de changement. Il a ensuite cherché à bousculer les réseaux de Joseph Kabila. En faisant partir le patron des services de renseignement à l'air, il a ensuite commencé à remanier l'armée congolaise, la garde républicaine, mais aussi la magistrature. Et on en voit les fruits aujourd'hui. Je crois que Félix Tshisekedi est sur la bonne voie. C'est des propos recueillis par Christophe Rigaud. Bon, je m'excuse, j'ai dit tout à l'heure Stéphane. Donc, c'est Christophe Rigaud de Africa Rabia. Bon, Yewana, journaliste et directeur du site Africa Rabia consacré à l'actualité en République démocratique du Congo, RDC et en Afrique centrale. Donc, bon, moi, Ninde Nazolobake, bon, comme Mataya président, Félix Tshisekedi, flèche et Zakaka Nalikolo, et sous pointé Nalikolo. Il est dans le bon, malgré la présence de la dictature économique de Joseph Kabila. Voilà, chers compatriotes. On revient pour mieux nous remémorer au visage de Paul Sapou, vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains. Donc, vous comprenez que c'est une personnalité importante. Tout le monde a peur du grand déballage. Hein? Bakomi Kobanga, donc Bakoluka, Bamaye Bele, Ponako étouffé, Félix Tshisekedi, mais Bakolongate parce que machine judiciaire est en marche. Et ça y était. Yango Moko et Zokende. Donc déjà, Le 4 mai, ex-gouverneur Kimbu Tako s'est présenté à la justice. Kamere, le 11 mai 2020. Voilà. Notre deuxième point, notre deuxième chapitre en quelque sorte, c'est la dictature économique de Kabila qui freine le président de la République. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aura difficile, mais il réussira. Il aura difficile à démanteler la dictature économique de Joseph Kabila, parce que ça prendra beaucoup de temps à le déboulonner. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par dictature économique? Bon, on a vécu une alternance. Une alternance sui generis. C'est-à-dire une alternance en son genre. Yandenge nango. Nanto viva yangote. C'est-à-dire, Joseph Kabila a détruit le tissu économique. Comme le dit l'évêque Mukuna, par exemple, à détruire jardins zoologiques, à détruire le parc national, à quel qu'on soit le parc naïe, Batbazo Futambon et Belekuna Soki $50 pendant Kokoma ou bien Kokotakuna, à détruire Daipen, enfin, peut-être à détruire ma installation T, mais bon, à détruire. À quelque crier bas ferme naïe. À détruire Utexco. À quelque ça là, une sorte d'Utexco naïe moko. Donc, il a confisqué toutes les compagnies qui appartenaient à l'État. Et il a créé ses compagnies privées. Il est actionnaire majoritaire
dans toutes ces sociétés-là, avec des prête-noms, comme on dit. Il est actionnaire majoritaire dans toutes les banques, s'il vous plaît, dans toutes les banques du Congo. Bon, il faudra que cette machine judiciaire qui est déjà en marche, parce que la machine judiciaire est déjà en marche, et ça ne va pas reculer. Et vous savez ce qu'on appelle machine? Pourquoi on appelle ça machine? Parce que ça va maintenant tout seul. Il n'est pas nécessaire que le président Félix Tshisekedi soit à gauche, à droite. Il y a des collectifs qui portent plainte. Il y a des compatriotes qui portent plainte. Il y a des institutions qui portent plainte. Le président Félix Tshisekedi n'est pas là, hein. Il y a la Ligue anticorruption, par exemple. Il y a l'Association pour l'accès à la justice et consorts. Il y a APRODEC. Ils sont là pour porter plainte, hein. Je donne un exemple. Le directeur général du FONER a été arrêté, incarcéré. Bon, il est en préventif. Il a détourné des millions depuis plus de 10 ans, peut-être 11 ans, peut-être tous les 18 ans, je ne sais pas. Je ne maîtrise pas ce dossier-là. Il y a des preuves irréfutables. Il est de la Kabylie. Donc, il a servi Joseph Kabila à travers un nom d'emprunt, le nom de sa mère adoptive, Sifa Mahania, qui est membre du conseil d'administration de cette société. Il y a sa fille qui s'appelle Sifa aussi, la fille d'Olive Lembe, avec Joseph Kabila, qui est là-dedans. Et c'est des millions qui partent, des millions qui partent de tout le temps. Ça, c'est un exemple. On va voir, le procès aura lieu. Il sera jugé, il sera condamné. Mais, donc, Ekokendeti, Naba, bah, adjoint naïe, bah, subordonné naïe, bah, membre du conseil d'administration, il faudra bah, justifier, bah, mort, bah, manaï, kozoa. Maman Sifawana, à cause de l'interpeller, bah, c'est la justice. À cause de l'interpeller, jour moko, il faut se présenter à la justice. Mwana wana, je pense qu'à ça déjà majeur, Sifa. À cause de présenter la justice, hein? À cause justifié par Mouana. Et Kosu Kanafon RT, hein? Et Kosu Kanafon RT. Donc, bah, qu'on déballe ma société, mon sous, même ma banque. Les Vodacom, les sociétés là, de télécommunications et consorts. Ça va passer par là. Donc, Nakanissi, à défaut d'un soulèvement, je pense que la machine judiciaire elle-même, elle est capable. Le problème, ça va prendre le temps et plus on attend, je sais pas. Je ne sais pas. Faut-il un soulèvement? Mais quand et qui va opérer ce soulèvement? Mais la machine judiciaire, c'est sûr et certain que ça marche. Voilà ce que je voulais entendre par dictature économique, hein, Yangwana. Bazan, Mbongonyo, César, Mabokona, Bango. Les recettes et tout ça, jusqu'à présent, il faut. Gouvernement à bout de la banque Makamounou Souana.
Donc, côté à passeport, côté à go pass, douane, tout ça, l'État, il faut récupérer bambou, nyonsoana, et quant à la trésor public. Hein? Notre pays est riche, nous sommes capables de beaucoup. Notre pays peut devenir un paradis. La seule personne qui empêche tout ça, c'est Joseph Kabila, le diable en personne. Il continue à l'empêcher. Bon, mon dingue, Baki Kolokota, ceux qui parlent, toujours qui parlent d'information là. Baki Kolokota, ceux qui. Koluna, je laisse désœuvrer, Pessi Bango, 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs. Ekotoni Sabango na. Nachango. Donc, vidéo mon réseau circulé yakala, il y a 2019. Mais ceux qui botali bien, vidéo mon sous, c'est Zayasika. Pour Bokomona, Yemokwazawana, China Rambo, Alati Mask. Et puis, il y a Bagar na Yemon Souswana, Balati Mask. C'est vrai que vidéo à Kalézali, mais Yassika Isaluana, les Cambanaisa, il y a seul tout ce qui m'a information depuis Nakati. Voilà, chers compatriotes, maintenant nous allons passer au bonus. Nous allons vous montrer une vidéo sur l'arrivée des voitures de la police. Ça, c'est à féliciter. C'est à féliciter, chers compatriotes. Et je pouvais vous montrer la vieille vidéo dans laquelle on ovationnait Joseph Kabila, mais je n'ai pas la nouvelle vidéo, mais je vais vous montrer cette ancienne vidéo-là. Il y a du vrai et du faux là-dedans. Voilà. Chers compatriotes. Le Phare a fait une publication selon laquelle le directeur général de l'EGFREM aurait été incarcéré. Il aurait passé une ou deux nuits au cachot du parquet général. Il aurait été transféré à la prison de Makala. C'est faux. C'est faux et archi faux. D'après nos renseignements, Saïb, il s'appelle comment? Saïb, hein? Oui. Saïb, comment? Ok, le directeur général de l'EGFRAM, Saïd, il est toujours à l'ambassade de Tanzanie d'après nos renseignements. Voilà, chers compatriotes, nous passons au bonus. Voilà, chers compatriotes, nous avons presque terminé, mais nous ajoutons en bonus le scandale au Sénat entre Tambwe Mwamba, le président du Sénat, et la sénatrice Ngoya Kitenge. Le président Tambwe Mwamba, président du Sénat, a ridiculisé carrément la sénatrice Ngoya Kitenge. Ensuite, nous vous ajoutons une vidéo de l'arrivée des voitures de la police. C'est un événement à saluer et je pense qu'il faut féliciter le président de la République pour cette action. Collègue Goy, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet. Pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau.
mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. J'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, monsieur le président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. On aura besoin de ça. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le président. Du chef de l'État va permettre l'effectivité d'une police de proximité à même de sécuriser les personnes et leurs biens. La population s'en félicite. En tout cas, Fatih Beton, merci Fatih Beton pour ce que vous faites pour le pays. Ces véhicules vont servir à sécuriser la ville de Kinshasa. La police doit faire preuve de plus de responsabilité. Elle doit considérer les encouragements du chef de l'État. Nous voyons comment dans d'autres pays la police est organisée. Cette acquisition fait notre fierté. Les Kinois invitent les hommes en uniforme à plus de responsabilités. Les actions louées. C'est une action louable. Il s'agit de biens de l'État et doivent être au service de la population. Il s'agit d'une action palpable. Maintenant, nous attendons que la police fasse preuve de professionnalisme. Merci, monsieur le chef de l'État. Mais il faut renforcer le chariot automobile de la police avec de Jeep 4x4. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutikala Malamu, Benobikalambote, Wandugwapenzi, Tunamaliza, Tutawanana. Kesho mpangi ya mulo ya luzoro benu bikana mbote betu tamalana mbasi bana betu basuibe shala ibib nitu munana chikondo chikwabu kufideo mkwabu ana lingo amboshila.